Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Entretien avec Joshua aussi et notre invité ce soir, premier vice-président du SDF, député à l'Assemblée nationale et par ailleurs, expert en aviation civile. Son avis est de ceux qui comptent au Cameroun, présenté par beaucoup comme le futur président du social-démocratique Front. Notre invité a au sein de sa formation un parcours très peu connu, de certains un parcours d'ailleurs qui laisse quelques-uns songeurs, et avec on va également parler de son amitié avec certains membres du gouvernement qui semblent gêner quelques opposants. En tout cas, ce soir, ses éclairages sur toutes ces questions, ses opinions sur les divers sujets d'actualité au Cameroun, tout ce qu'il voudra bien nous dire nous intéresse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En tout cas, le décor est planté. Oui. Alors, très rapidement, hein, c'est vrai qu'on vous connaît déjà, mais puisque c'est une coutume dans l'émission, vous allez peut-être vous présenter à tous ceux qui nous regardent. Ben, je suis Joshua Nabangui aussi. Je vis à Douala. Je suis député de Vaury-Centre, premier vice-président du Social Democratic Front, parti politique. Et j'exerce, au fait, dans l'aviation. Je ne suis pas un expert, mais je suis dans ce métier-là. C'est très difficile de dire qu'on est un expert en aviation parce que c'est très large. Mmh. C'est un domaine où il y a mille et un métiers. Voilà. D'accord, marié, père de combien d'enfants ? 3 enfants. Oui. Ok. Fan de sport aussi ? Tout à fait. Alors, et ça c'est la question, ça c'est personnel, hein, j'ai toujours voulu vous la poser. Ça explique la raison, ça explique le fait que vous soyez parti au Mondial 2014 en pleine session de l'Assemblée nationale ? Non, c'était pas en pleine session, premièrement, c'était en début de session, donc j'ai rien loupé pendant cette session-là. Mmh. Et j'ai eu la chance d'aller en tant qu'enfant à la Coupe du Monde 82. Mmh. Et depuis là, c'est resté comme un virus. Je suis les lions partout. Je suis parmi les Camerounais qui étaient privilégiés d'être au stade à Milan lors de la victoire contre l'Argentine, encore tout jeune, et ainsi de suite. Donc j'ai fait tout ce parcours avec les lions. Et donc accompagner les lions au mondial, et quand c'est possible, parce que malheureusement depuis qu'on a changer les Coupes d'Afrique des Nations pour le mois de janvier, ça devient un peu plus compliqué, surtout après les fêtes et tout ça. Ouais. Mais quand c'est possible, je suis les Lions. En tout cas, je vais à tous les matchs à Yaoundé quand je suis là. D'accord. Alors, vous avez dit que c'était le début de la session, on n'était pas vraiment rentré dedans. Du coup, j'ai quand même envie de demander, est-ce que c'est obligatoire pour un député d'assister à une session parlementaire ? En fait, au bout de 3 sessions d'absence, normalement, vous avez des sanctions disciplinaires. Donc, c'est obligatoire, oui. Mais maintenant, une session, ce n'est pas 30 jours d'assises. Vous pouvez être en session et vous pouvez être libre pendant 14 jours, mmh. comme vous pouvez être en session et être occupé tous les jours. Donc, voilà, la session, c'est les 30 jours. Maintenant, vous êtes convoqué en plénière ou en commission. Et donc, par exemple, le mois de juin est... L'habitude, malheureusement, du gouvernement, c'est de présenter les projets de loi vers la fin de la session. Quand c'est un peu plus libre, les députés s'occupent par autre chose dans leur réseau, avec les questions orales au banc du gouvernement, etc. Donc, si vous n'avez pas de questions orales, par exemple, vous n'avez pas l'obligation d'y être. Mais je pense que le député devrait... tant que possible, être présent à toutes les séances plénières lors d'une session. D'accord. Alors, c'est pas le cas pour vous, mais il y a quand même certains députés dans pas mal de partis qui sont des absentéistes. Hein. Très souvent, on ne les voit pas. Et l'autre question qu'on a envie de se poser, c'est, OK, tout ce qui est reversé comme frais aux uns et aux autres, est-ce que quand on est absent, on les perçoit quand même ? Écoutez, je ne peux pas parler pour les autres. Je sais que dans ma famille politique, il n'y a pas d'absentéiste. Il y a, pour des raisons diverses de santé, familiale, des raisons professionnelles, etc. Même, vous pouvez être en mission pour le compte de l'Assemblée nationale pendant une session. Mais je ne connais pas d'absentéiste et je ne m'occupe pas
réellement de ce qui se passe dans les autres familles politiques au sein de l'Assemblée nationale tant que le membre n'est pas un membre du bureau et donc ça m'impacte pas et ça n'impacte pas le groupe parlementaire du SDF. Donc voilà, je ne peux pas parler pour les autres. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas vérifier. La question, c'était sur les lois de fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que c'est prévu dans les règles qui régissent? Dans le règlement de l'Assemblée nationale, vous recevez une indemnité de session parce que vous êtes présent lors de cette session-là. Et d'ailleurs, vous devez la décharger. Donc, si vous n'êtes pas présent, c'est un peu difficile de la décharger. Et il n'y a pas de procuration. Donc, voilà. Mais maintenant, je ne sais pas. J'ai jamais été absent, donc dans mon groupe, dans le groupe parlementaire du SDF, il n'y a jamais eu un absent pendant toute une session, donc je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être si quelque chose arrive autour de nous, on va aller voir. Mais vous savez, quand vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale, vous priez que tous ceux du RDPC, par exemple, soient absents. Comme ça, quand on présente un projet de loi, votre voix pour raconter. Exactement. Un peu plus que quand ils sont tous présents. Oui. Donc c'est pour ça que nous ne nous occupons pas plus que cela de s'ils sont présents ou pas. Et puis vous savez, quand vous avez une majorité telle que celle qui est là aujourd'hui du RDPC, ça froisse un peu le fonctionnement de l'institution parlementaire. Et donc il ne faut pas oublier que le député de la majorité RDPC, pour des raisons de discipline de parti, ne devrait pas être en contradiction avec son gouvernement. Et donc, au fait, à part faire passer les lois de son gouvernement, il ne peut pas faire beaucoup plus, malheureusement. Et donc, c'est la minorité en dehors de cette majorité-là. Donc, les groupes, en fait, le groupe du SDF principalement et les autres partis politiques présents qui ne font pas partie de la majorité, qui ont la liberté d'action. Parce que nous devons contrôler l'action gouvernementale, parce que nous pouvons légiférer en dehors du cadre exécutif, etc. Ça devrait être le cas pour tous les députés, mais malheureusement, les députés du RDPC subissent la discipline du parti. Et vous voyez très bien ce qui se passe quand ils commencent à devenir des vrais députés. quand arrivent les prochaines élections, ils sont automatiquement plus candidats. Donc voilà. D'accord. Alors, et vous, votre expérience en tant que député, s'il y a des choses que vous avez retenues au bout de quelques années, quelles sont-elles précisément? Écoutez, arrivant à mi-parcours ou presque, je pense que ce que j'ai retenu, c'est que on peut faire bouger les lignes si on veut vraiment. On peut faire agir les choses au niveau du Parlement avec une toute petite parcelle, je dirais pas de pouvoir, mais d'expression, de place d'expression. Et je dirais aussi, il y a une méconnaissance du pouvoir législatif au Cameroun. Peut-être ça vient de toutes ces années de parti unique où les députés étaient plus ou moins nommés. Peut-être ça vient aussi du fait qu'au Cameroun, on pense que tous les pouvoirs sont entre les mains de ministres. C'est pour ça que chaque village veut son ministre. Et ils oublient que le pouvoir est entre les mains du président de la République et les ministres ne sont que les exécutants. Et donc, je me tue à dire qu'on est sous-utilisé et qu'il faudrait nous utiliser beaucoup plus. On pense que le député est là pour aider à curer les caniveaux ou à construire des dodanes sur les routes, etc. Mais non, le député est là pour contrôler l'action gouvernementale et pour légiférer. Donc le député est le véritable avocat de la population auprès du gouvernement. Et je pense que ce rôle est sous-utilisé par la population. Mais est-ce que vous avez quand même réussi à faire bouger les choses un tout petit peu, le SDF? Parce que au terme de chaque session, ou même pendant les sessions, on assiste toujours à cette petite colère que vous piquez à raison d'ailleurs, parce que votre voix ne porte pas, parce que vos projets sont tout le temps balayés de la main. Vous êtes minoritaire, on le comprend. Mais est-ce que vous avez quand même réussi à faire au moins modifier certains projets de loi?
Écoutez, je vais vous dire tout de suite, heureusement qu'on est à l'Assemblée nationale, parce que si on n'était pas là, les Camerounais ne seraient même pas au courant qu'il y a une Assemblée au Cameroun. Je pense que quand on parle de l'Assemblée nationale, quand le débat arrive dans la place, sur la place publique, c'est parce que le groupe SDF l'apporte sur la place publique. Et vous, quand vous ne pouvez pas faire bouger les lignes en interne, vous avez quand même la possibilité en tant que député d'amener le débat ou de déplacer le débat de l'hémicycle vers la place publique. Oui. Et j'en veux pour exemple, j'ai demandé une résolution pour la mise sur pied d'une commission d'enquête sur l'acquisition des deux avions chinois qui ont coûté 4 fois le prix catalogue de ces avions-là et qui n'étaient pas nécessaires parce que techniquement pas au point. En tout cas, si on demande mon avis à moi, mais non, si on veut des avions qui tombent tout le temps, ce sont des très bons avions. Voilà, donc ça a été bloqué par le bureau de l'Assemblée nationale. Cette enquête n'a jamais prospéré. En fait, cette résolution qui demande une enquête n'a jamais prospéré, mais nous avons en tant que groupe et aussi individuellement porté le débat sur la place publique et tous les Camerounais étaient au courant parce que ça venait de l'Assemblée nationale qui avait un problème avec ses avions, qu'on avait payé 34,4 milliards en dettes privilégiées au nom des générations à venir au lieu de payer juste 9 milliards pour ces avions-là. Donc il y avait une différence de 25 milliards et qu'il fallait que ceux qui sont au pouvoir nous l'expliquent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Je vais même des fois rencontrer des gens qui m'expliquent la problématique que moi j'ai posée à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire combien ça peut être utile. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, quand mes collègues de l'époque ont dit que la corruption était omniprésente et que la moitié du budget était volée à Yaoundé, Monsieur Biya, président de la République, avait demandé les preuves. Et ensuite, ils ont apporté les preuves d'un certain ministre, je ne vais pas le citer, mais ainsi, on a pu déclencher l'opération Épervier d'aujourd'hui. Oui, c'est très utile, on peut faire beaucoup de choses, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que avec le petit pouvoir que cette minorité parlementaire, avec un groupe parlementaire nous donne, nous pouvons faire bouger les lignes et je pense qu'on le fait assez souvent en termes d'amendements. Mais d'une certaine manière, parce que c'est ce qu'on retient, c'est le travail que vous faites, mais un peu en dehors, parce qu'au sein de l'Assemblée nationale... Au sein de l'Assemblée nationale, nous sommes les seuls qui pouvons contredire le gouvernement. Si les collègues du RDPC contredisent le gouvernement, c'est uniquement en commission, parce que c'est à huis clos. Mais en plénière et même en commission, nous avons la liberté de contredire le gouvernement parce que nous ne faisons pas partie de leur majorité. Et donc, nous pouvons dire des choses que nos collègues du RDPC ne peuvent pas dire. Des amendements, par exemple. Est-ce que vous avez réussi à obtenir des amendements sur des lois? Bien sûr, au moins ça. Bien sûr. Et à plusieurs reprises. Oui. Lesquelles, par exemple, s'il faut en citer trois, juste pour qu'on... Écoutez, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je crois que pour revenir sur la dernière loi de finances, où il y a 2 années, où on a demandé un amendement, l'amendement n'est pas passé, mais ça a été présenté pour ne pas perdre la face. Je prends l'exemple de la taxe aéroportière, ça a été présenté comme une avancée dans la loi qui venait, mais c'était au départ, c'était un amendement du député SDF que je suis, qui est ensuite arrivé comme inclus dans le projet de loi. Ensuite, même mal inclus, on a posé un deuxième amendement. Ce deuxième amendement a été rejeté, mais ils se sont quand même rendus compte que ce deuxième amendement était juste parce qu'on voulait faire payer aux compagnies aériennes la taxe supplémentaire de 10 000 francs à partir du 1er janvier. Nous avions dit que nous étions déjà en début décembre. Tous les billets du mois de janvier étaient déjà achetés. Les gens savaient où ils allaient en vacances. Donc, c'était pratiquement impossible. Il fallait repousser pour le 1er avril. Je me rappelle même, le ministre avait dit, ça doit être un poisson d'avril. Mais ensuite, on est passé par des arrêtés, des acrobaties pas possibles pour le faire parce que le directeur des impôts avait vu que c'était impossible. Mais c'est tout un travail.
Et c'est tout un travail. Vous savez, mais ça veut dire que le pouvoir se montre malhonnête. C'est-à-dire que vous vous proposez des idées sont bonnes, on les récupère. C'est de bonne foi. C'est de bonne foi. Oui. Nous sommes de l'opposition. Mmh. Il est quand même difficile que le gouvernement vienne dire à l'Assemblée nationale, écoutez, on s'est trompé. Donc c'est de bonne foi. Ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, les Camerounais souffrent un peu moins. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour démontrer que le gouvernement est de bonne foi ou de mauvaise foi. Oui. Ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt des Camerounaises et des Camerounais. C'est dans l'intérêt du mandat que nous avons pour améliorer le quotidien des Camerounais. Mmh. Donc nous ne sommes pas là à faire perdre la face au gouvernement, du moins quand nous sommes dans les débats parlementaires, mais nous sommes là pour, et c'est la même chose dans l'action, dans le contrôle de l'action gouvernementale, le rôle que nous nous sommes fixés, c'est pas de devenir un gendarme des ministres, mais plutôt les orienter s'ils sont un peu perdus, les orienter et leur dire, écoutez, ça c'est pas juste, ça c'est pas bien, nous ne sommes pas là à aller vous dénoncer à la CONAC ou Dieu seul sait où, au Consupé, etc., mais nous disons que là, vous auriez dû faire une route de 30 km, vous n'avez fait une route que de 20 km. Mmh. Il faut corriger cela. D'accord. Alors, vous avez commencé à parler d'aviation. On va peut-être continuer. Je suis de lancer là. Les avions MA-60, effectivement, vous aviez dénoncé déjà comment est-ce qu'ils ont été achetés, tout ce qu'il y a eu comme trafic, comme mafia autour. Mais vous aviez également parlé de leur qualité. Et aujourd'hui, nous, on a envie de se demander pourquoi ne volent-ils toujours pas? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir cette certification comme vous l'annonciez? Moi, je pose la question, je regarde tout ça autrement. Je dis heureusement qu'ils ne volent pas. Et heureusement que nous avons une autorité de l'aviation civile qui est à la hauteur de ce qu'on attend d'une autorité. Et heureusement que ces avions ne font pas encore des vols et j'espère qu'ils ne vont jamais faire des vols internes sous la bannière de Camerco, parce que ça sera la catastrophe et pour Camerco et pour le Cameroun et pour tous ceux qui malheureusement seront des fois même obligés de prendre ces avions. Mmh. Vous savez, quand votre employeur vous envoie quelque part et vous donne un billet d'avion, vous n'avez pas trop le choix. Si vous ne partez pas, vous perdez votre emploi. Et donc c'est pour tous ces gens-là qu'on se bat, parce que ce sont des véritables cercueils volants, il faut le dire. On n'a pas besoin d'être un expert en aviation pour le savoir. Vous allez sur Internet, vous cherchez l'avion qui a eu le plus de crash, vous allez le voir. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi effectivement à avoir cette certification qui leur permet de voler. On essaie de comprendre les raisons. Écoutez, je suis pas là pour l'autorité de l'aviation civile, encore moins pour Camerco. Oui, mais vous êtes quand même introduit dans ces milieux-là. C'est une relation entre eux dont je ne peux pas parler en leur nom. D'accord. Si vous voulez une réponse à ces questions, vous invitez l'un ou l'autre directeur général, ils viendront vous répondre. Je dis tout simplement qu'en tant que député, j'avais trouvé que c'était un mauvais achat, mal acheté, pour les mauvaises raisons. Et c'est ce que j'ai dénoncé. Pour l'instant, je me réjouis que ces avions sont dans un parking quelque part et qu'ils ne volent pas encore et qu'ils ne tuent pas encore les Camerounais. Voilà tout, c'est ma responsabilité. Maintenant, la raison pour laquelle ils sont dans cet hangar, je dirais à la limite, ça ne me concerne plus. D'accord. Camerco, puisqu'on est en train de parler de ces deux avions MA-60, impossible de ne pas parler de cette entreprise-là. Beaucoup de problèmes récemment. Les 25 milliards qui n'arrivent toujours pas alors qu'ils avaient été annoncés en grande pompe. Est-ce que l'État est en train, finalement, de baisser les bras? Écoutez, vous savez, ce n'est pas si facile que ça. Premièrement, j'aimerais dire, et je le dis en connaissance de cause, le problème de Camerco n'est pas un problème de 2015. Le problème de Camerco, c'est dès la naissance. C'est la genèse même de ce projet qui crée les problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez mettre le directeur général et d'ailleurs tout le conseil d'administration d'Air France au sein de Camerco, ça ne changera rien au problème. Donc, au fait, quand vous concevez mal un plan, quand vous concevez sur un mauvais business plan une compagnie aérienne, tout le reste qui suit, ce n'est que du rafistolage pour rester en l'air. Malheureusement, c'est ça. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Cameroun doit faire un choix. Doit faire un choix, soit d'aller de l'avant et donner les moyens à l'équipe en place pour pouvoir sauver cette compagnie aérienne, ou prendre la décision d'arrêter.
Il n'y a pas un troisième choix. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se disent qu'avec le temps, on pourra peut-être, mais ils ont transformé, je sais pas, 800 ou 1200 employés en sapeurs-pompiers permanents. Ils sont tous des pilotes jusqu'au directeur général, tout le monde est devenu un sapeur-pompier permanent parce que c'est l'actionnaire qui est défaillant. C'est ça le problème. Vous savez, quand vous voulez une compagnie aérienne, il faut vous donner les moyens. Ce qui se passe avec Amerco, peut-être pour l'expliquer autrement, c'est comme si un actionnaire, un entrepreneur construisait un hôtel et puis n'a plus d'argent pour les lits. Et il engueule le directeur de l'hôtel qui n'a pas de client. Mais le directeur de l'hôtel ne peut pas avoir de client s'il n'a pas de lit. Donc il faut se décider d'acheter des lits si vous voulez que les employés deviennent performants. Donc l'outil d'une compagnie aérienne, ce sont les avions. Si vous n'avez pas d'avion, si vous avez un seul avion, si vous avez deux avions, trois avions, vous n'intéressez personne, surtout pas les grands comptes, les grands clients. Donc je pense qu'il faut arriver, moi je suis très mal placé pour dire au gouvernement il faut faire ceci ou cela. Je pense qu'au début du projet, j'avais posé la question clé, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une compagnie qu'on peut créer avec quelques milliards et avoir des avions à quatre places qui promènent nos touristes vers nos destinations touristiques en interne? Ou est-ce qu'on veut une véritable compagnie qui a une vingtaine, une trentaine d'avions sur une période peut-être de 5, 10, 20 ans et qui peut jouer un rôle majeur dans le ciel africain? Aujourd'hui, le ciel africain est dominé par quelques compagnies africaines déjà. On a souvent tort de croire que le ciel africain est dominé par Air France. Air France n'est qu'un des joueurs. Le ciel est dominé par des compagnies comme South African Airways, comme Ethiopian, comme Kenya Airways, comme Royal Air Maroc, Égyptair et Tunisair, pour ne parler que de ceux-là. Et ces grandes compagnies font partie de groupes mondiaux. Parce que la clé dans l'aviation, c'est la distribution. C'est-à-dire que les passagers n'ont pas le choix, comme dans un supermarché ou au marché, de prendre une compagnie ou une autre, selon où ils vont. Donc vous allez chez votre agent de voyage, vous allez sur Internet ou vous allez même dans une compagnie aérienne et on vous impose plus ou moins le choix. Ce choix qu'on vous impose est basé sur les alliances, est basé sur les modèles de distribution, etc. Parce que vous savez, quand vous avez 200 passagers qui embarquent entre Douala et Paris, mais il y a peut-être 160 qui vont plus loin que Paris. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des 40. Vous ne pouvez pas faire un business plan sur les 40 qui vont qu'à Paris. Donc si vous n'avez pas un avion qui peut les amener plus loin, vous n'êtes plus compétitif. Vous n'êtes plus du tout compétitif. Et donc, ce sont ces grandes compagnies qui vont dominer l'Afrique. Donc, si le Cameroun, encore mieux, le président de la République, parce que c'est un projet du président de la République, ce n'est pas un projet qui émane de l'exécutif ou du Parlement. C'est lui qui en a parlé pendant un discours, et donc voilà, mal lui en a pris, il doit maintenant nous trouver cette compagnie aérienne. S'il va avoir une compagnie aérienne compétitive et qui fait de l'argent, il doit mettre de l'argent dans cette compagnie, mais pas des miettes. 25 milliards, c'est rien pour une compagnie. Il faut penser 250, 500 milliards pour pouvoir avoir une compagnie, pour pouvoir avoir une meilleure plateforme. Vous savez, la plateforme déjà de Douala n'est pas compétitive. On passe le temps à remettre de l'argent pour la réparer. Mais ce n'est pas réparer Douala qu'il faut. Il faut un nouvel aéroport pour Douala. Si on veut véritablement jouer le jeu que les Kenya Airways, Ethiopian et tout ça jouent, il faut un nouvel aéroport, il faut un véritable hub, il faut une véritable compagnie aérienne qui commande une dizaine, une vingtaine d'avions et qui a un centre de formation, qui forme des pilotes, etc., etc. C'est tout un ensemble. Et donc, tant qu'on n'a pas cette volonté-là, et comme malheureusement au Cameroun, c'est beaucoup trop facile de chercher à mettre les causes des échecs sur des individus plutôt que de regarder d'où vient le problème réellement, on ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que je dis, vous pouvez mettre le meilleur gestionnaire au monde à Camerco aujourd'hui, tant que le fond du problème n'est pas réglé,
on ne peut rien faire. Et le fond du problème, c'est qu'il faut injecter beaucoup plus d'argent. Il faut faire un choix. Si vous voulez avoir une petite compagnie comme Camerco aujourd'hui, il faut savoir que ça va nous coûter 2 milliards de francs par mois. Et on sait que 2 milliards de CFA venant des contribuables, au lieu d'aller construire des hôpitaux et de construire des écoles et de payer les retraites, on va l'utiliser pour qu'on ait un avion qui vole. Et qui, comme ça, on a le drapeau du Cameroun sur le tarmac de Charles de Gaulle, et voilà le prix. Maintenant, si on veut une compagnie qui rapporte de l'argent, qui est compétitive, qu'on voit un peu partout, mais ma foi, il faut des avions, il faut des compétences, il faut une plateforme, il faut, et pour ça, il faut beaucoup d'argent, et surtout, il faut un autre business model. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques sur le business model qu'il faudrait mettre en place, parce que je pense que ce n'est pas le but de l'entretien, mais il faut une nouvelle orientation. Et malheureusement, aujourd'hui, la seule personne qui peut prendre cette décision est une personne qui est coupée des réalités, est une personne dont ceux qui devraient jouer le relais apparemment n'arrivent pas à jouer ce rôle-là. Donc je suppose que la personne qui peut prendre cette décision, on nous dit qu'il est bien informé, hein. En général, on dit qu'il est très bien informé. Oui, vous savez, c'est une chose d'être bien informé, mais c'est une autre chose d'avoir la mauvaise information. Parce que pour l'instant, le Cameroun souffre à hauteur de 2 milliards plus ou moins par mois. Vous avez 1000 employés qui souffrent, vous avez des avions qui souffrent, vous avez des passagers qui souffrent. Donc s'il est véritablement bien informé, j'ai des doutes. Parce que si il a promis d'injecter 25 milliards, qui serait un premier pas, parce qu'une fois qu'il a injecté 25 milliards, j'espère qu'il ne va pas dire « bon, on injecte 25 milliards et puis on arrête ». Il va quand même nous dire « ok, on a mis 25 milliards, maintenant on peut mettre 200 milliards pour aller un pas plus loin ». D'accord. Et l'entreprise, enfin la compagnie Camra, la canadienne, qui est en train d'arriver, beaucoup de personnes justement qui étaient en train de chercher les causes probables de la situation délicate dans laquelle se trouve Camerco ont pensé qu'il y avait peut-être la main de quelques officiels camerounais dont l'arrivée de Camra et que finalement le but c'était de faire fermer Camerco. Donc vous qui connaissez comment fonctionne ce secteur-là, est-ce que l'arrivée de Camra peut être dangereuse pour Camerco? Déjà, il faut que Camra arrive. Vous savez, les annonces au Cameroun, on les connaît. Ouais. Donc déjà, il faut que Camra arrive. Ce n'est pas encore le cas. Je souhaite qu'ils arrivent. Le promoteur est un monsieur que je connais, pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça fait une dizaine d'années qu'il veut lancer cette compagnie. Ça fait une dizaine d'années qu'il arpente les couloirs de Yaoundé pour cela. Maintenant, je ne suis pas privilégié d'avoir... En fait, j'ai pas eu le privilège d'avoir les informations internes à cette compagnie-là. Je sais qu'il voulait monter une compagnie à un moment donné en liaison un peu avec le gouvernement pour avoir des facilités pour faire des vols sur des destinations un peu difficiles. Si j'ai bien compris le projet n'est pas du tout en concurrence avec Camerco parce que le modèle c'est d'utiliser un A340A. C'est des avions de 1982-83 qui ont 30 places. Et donc, ou même 90, les derniers modèles, qui ont 30 places et qui vont avoir un rayon d'action pour pouvoir faire idéalement sur des pistes, en fait, sur des aires d'atterrissage bitumées. Donc, ça limite à peu près à 6. Les aéroports qu'ils peuvent desservir au niveau du Cameroun. Mais quand on regarde un peu ce qu'ils proposent en avant-première, je dirais c'est beaucoup plus des liaisons sur Bamenda, Bafoussam, etc. Liaisons sur lesquelles Camerco ne va pas encore. Donc c'est une très bonne chose que cette compagnie arrive. Et vous savez, plus il y a des compagnies, mieux l'aviation en général se porte. Donc plus il y a des compagnies, moins on paye de taxes d'aéroports, etc. et de survol. Donc c'est une bonne chose et je pense que si effectivement cette compagnie est lancée, elle pourrait éventuellement jouer
trouver des synergies avec Camerco pour pouvoir, pourquoi pas, faire du FIDA, pour Camerco. C'est-à-dire que quand Camerco a un vol, je sais pas, sur Bangui, les passagers qui continuent sur Bamenda pourront aller avec Camra. Mais bon, pour ça, il faut toute une autre structuration et tout vous un autre maîtrisez, débat. vous maîtrisez tellement le sujet que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà rêvé de travailler ou même de diriger Camerco? Non, rêver, non. On m'a posé la question et souvent, mais encore une fois, je sais très bien que la fondation n'est pas bonne. Donc tout le reste, j'ai dit, vous pouvez mettre 10 fois mieux que moi, il finira par être un sapeur-pompier. C'est pour ça mais que... Mais si on change tout ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire que c'est le président, mais... Le minimum de 250 millions si... On parlait de milliards. Milliards, pardon. 250 milliards si... J'ai dit ça un peu vite pour la compréhension, mais la structuration, et je l'ai dit d'ailleurs, la structuration devrait être différente. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un pays fait quand un pays veut développer son secteur aérien? C'est qu'on crée une compagnie de holding, si on veut, et qui possède ces sommes d'argent, qui a la capacité avec la garantie de l'État d'aller acheter les avions, qu'ils vont maintenant pouvoir louer à Camerco, et donc vous n'aurez plus une relation de locataire, de location entre un étranger et une compagnie camerounaise et les avions saisis à Paris, mais plutôt entre une, comme une réassurance entre un holding financier qui gère tous les biens, dans tous les assets ici. Donc c'est plutôt cette option-là que je proposerai au gouvernement et beaucoup d'autres choses. Donc il faut... Sans pour autant assurer la gestion, parce que c'était ça la question que... Ça ne m'intéresse pas parce que je pense que je suis déjà très occupé aujourd'hui avec ce que je fais. S'il faut donner un coup de main, par exemple en participant de l'extérieur, donc de, je sais pas, donc être dans, comme un consultant ou comme dans le conseil d'administration, etc., pourquoi pas. Mais je pense que je ne suis pas la personne indiquée aujourd'hui de diriger une compagnie comme cela, parce que c'est une compagnie qui appartient au gouvernement. Ce gouvernement à une majorité à l'Assemblée qui n'est pas la mienne, et donc je ne peux pas être en phase avec leurs décisions. Premièrement cela. Deuxièmement, je pense que je suis plus utile ailleurs que là-bas. Et troisièmement, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont qualifiés pour ce rôle-là. Et j'ai toujours, je pense que depuis l'époque de Camer jusqu'à Camerco, j'ai toujours été disponible. Je me suis présenté à tous les directeurs généraux. Je leur ai dit, écoutez, j'ai une expérience riche, très riche même, dans l'aviation. J'ai travaillé à des... avec diverses compagnies aériennes à diverses fonctions. J'ai une expérience que peut-être avec le marché restreint du Cameroun, parce que le problème de fond de l'aviation, c'est que le marché camerounais est tout petit, ne peut pas produire. Et donc, je suis disponible à titre gratuit s'il y a des questions, s'il y a des orientations, s'il faut des connexions, s'il faut des contacts. Voilà, je l'ai toujours dit et je pense que beaucoup d'entre eux ont souvent fait appel à moi. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'entre ce que le directeur général veut, qui est souvent très bien, et ce que Yaoundé veut, il y a souvent deux montagnes entre les deux. Oui. Et malheureusement, quand on est déficitaire, l'argent est à Yaoundé et les idées sont à Douala. D'accord. Alors, vous parlez de vos occupations aujourd'hui. Vous affrétez des avions? Ça m'arrive, oui. Oui. Pour des privés ou pour des compagnies aériennes? Écoutez, on affrète des avions pour des compagnies aériennes et pour des privés, pour tous les deux. On le fait de moins en moins. On le fait de moins en moins parce que le marché est devenu très étroit. Et aussi parce que les clients, les gros clients sont dans le pétrole et le prix du pétrole ne permet plus
à ces clients-là d'avoir les budgets opérationnels qu'ils avaient avant. Et donc, on le fait beaucoup moins aujourd'hui. J'avais créé une compagnie aérienne qui était spécialisée dans ce domaine-là, qui aujourd'hui n'opère plus. D'accord, mais vous avez déjà affrété un avion pour le président de la République? Non, j'ai jamais affrété un avion pour le président de la République. J'attendais cette question. Nous offrons les services d'assistance, de supervision de l'assistance au sol, et de temps en temps, les opérateurs qui sont affrétés par la présidence de la République font appel à nous. Tout simplement parce que nous avons un niveau de qualité, faisant partie d'un très très grand groupe international. Nous avons des niveaux de qualité qui sont très souvent exigés. Donc nous avons des niveaux de qualité FAA et JAR, donc c'est les niveaux américains et européens. Et donc ils se trouvent dans l'obligation de nous appeler, nous, pour superviser l'assistance en escale offerte par les ADC. Et de temps à autre aussi, nous avons une entreprise sœur qui appartient au groupe avec lequel je suis partenaire, qui a des avions, qui a plusieurs avions, des avions même basés, entre autres, les avions qui font les vols pour une compagnie au Congo, qui font des vols aussi pour le président de la République. Donc voilà, ce sont des collègues qui viennent et on est très heureux de les accueillir quand ils viennent. Voilà. Et vous avez Mais dit que vous c'est attendiez cette pas. question. Pourquoi vous l'attendiez? Parce que vous avez parlé d'affréter les avions et je Oui. savais que vous ne comprenez pas ce milieu. Parce Oui. qu'en fait, affréter les avions, ça veut dire tout autre chose. Mais j'ai eu la gentillesse de répondre à votre question. D'accord. En fait, en même temps, l'information, parce que je fais toujours quelques petites recherches sur l'invité, donc il y en a qui pensaient effectivement que vous avez en 2011-2010, affrété un avion pour le président de la République. C'est bien que vous ayez expliqué, parce qu'ils ont dit vous avoir vu sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé, lorsque le président revenait du Nigeria, où il avait été invité par Goodluck pour assister à la fête nationale, je crois bien, Écoutez, du c'est pays. possible. Très souvent, je m'occupe moi-même des opérations à l'aéroport et je ne m'occupe pas des passagers qui sont à l'intérieur de l'avion parce que mon client, c'est l'avion. Donc, si la présidence de la République va louer un avion chez un de mes clients, obligatoirement, un de mes collègues ou moi-même seront à l'avion. Maintenant, s'il va louer cet avion ailleurs, nous ne serons pas là. Mais la relation que nous avons, c'est avec l'opérateur et non le passager à l'intérieur. C'est-à-dire que si nous traitons des vols de compagnies aériennes connues sur la place, on ne va pas chercher à savoir si Dora est à bord ou pas. On sait qu'il y a un A330 qui atterrit à 20h30 et on est là et on sait ce qu'on a à faire avec cet avion. On sait à la limite qu'il y a 180 passagers à bord et dans tel nombre, dans telle classe. Et puis voilà. Donc c'est exactement la même chose pour les vols privés. Nous traitons avec le client qui est l'affréteur, qui est la compagnie propriétaire de l'avion, qui a un contrat global avec le groupe dont j'ai un partenariat avec, donc qui est le numéro un mondial. Et donc toutes les compagnies dignes de ce nom dans le monde entier ont des contrats avec eux. Et donc quand une de ces compagnies dessert une de nos destinations, que ce soit Malabo, Bata, N'Djamena, Bangui, Garoua, Yaoundé, Douala, ils font appel à nous pour faire la supervision d'escale. Parce que D'accord. s'ils devaient le faire sans nous, il faudrait qu'ils envoient du personnel avec un vol avant ou sur un vol régulier pour venir préparer le terrain, pour Donc, ce faire n'est toute pas la parce supervision. que vous auriez une certaine relation amicale avec le président de la République ou même la présidence que vous étiez sur le tarmac. C'est bien que ce soit Non, dit. le président, la présidence de la République, déjà, hein, je pense pas que le président a une influence sur cela. Deuxièmement, la présidence de la République loue un avion. Ça s'arrête là.
La présence ne décide pas de qui est le pilote. Ils peuvent à la limite décider du repas qu'ils auront à bord et tout le reste, mais ils ne décident pas du centre de maintenance qui fait la maintenance de cet avion. L'avion vient avec les garanties. Nous faisons partie de ces garanties-là. Et je pense que jusqu'à présent, on a fait un très bon travail parce que la seule fois qu'on n'a pas fait ce travail-là, il y a des gens qui sont allés en prison par la suite. D'accord. Alors juste par curiosité, hein, pour satisfaire quelques curiosités, est-ce que vous êtes au-delà de tout ça, c'est bien que vous nous ayez expliqué toutes ces choses, mais est-ce qu'au-delà de tout ça, vous êtes quand même d'une certaine manière proche de la présidence? J'aimerais juste rajouter oui. Que sur les vols spéciaux que nous faisons, les vols spéciaux, ce sont les vols qui ne sont pas réguliers. Les vols VIP représentent moins de 2%. D'accord. Voilà. Représentent moins de 2%, donc vraiment c'est marginal. Et le gros de nos activités sur les vols spéciaux, ce sont des vols de fret, des vols de cargo. Et on en a beaucoup en ce moment avec l'ONU à Bangui. On a des avions au sol en ce moment avec des petits problèmes au niveau de Garoua où l'équipement au sol n'est pas ce qu'on attendait, etc. Donc voilà ce qui nous occupe à plein temps. D'accord. Maintenant, la question sur la proximité avec et la présidence de la République et même certains membres du gouvernement. Il y a beaucoup de curiosité. Je fais partie de ceux qui ne sont pas rentrés en politique parce qu'ils sont aigris et ne sont pas en politique par pur opportunisme. Donc je respecte tous ceux qui sont en politique comme moi. Et je suis d'accord d'être en désaccord et j'attends la même chose de ceux en face. Et je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'on ne peut pas véritablement s'opposer à un régime si ce régime ne vous écoute pas. Parce que ça ne sert à rien de se crier dessus, c'est un combat de sourds. Et donc il faudrait commencer à poser des bases. Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils font, mais ça veut dire qu'on peut quand même leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est pas juste. Donc à ce domaine-là, moi je ne me connais pas d'ennemis. Je connais que des adversaires. Il y a des adversaires que je respecte, d'autres beaucoup moins, parce qu'ils ont des méthodes un peu... pas du tout catholique, ouais. Hein, pour dire ça comme ça. Mais ces adversaires-là ne sont pas mes ennemis. Et au niveau de Yaoundé, que ce soit à la présidence, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, etc., je ne me connais pas d'ennemis. Peut-être des gens ne m'aiment pas, c'est leur problème, mais je ne fais pas partie du RDPC. Si le président Biya vous nomme ministre de X ou ministre de Y et que j'ai besoin de travailler avec ce ministère-là et j'ai besoin de travailler avec le ministre parce que, je sais pas, l'éducation de base, parce que je trouve inacceptable l'état d'une école à quoi. Je ne vais pas me mettre à sa porte et crier, je vais aller le voir et lui donner tout le respect de sa position et lui dire « je n'accepte pas la situation de cette école-là ». Voilà, donc maintenant si les gens pensent que je devrais prendre une pancarte et un mégaphone et crier au rez-de-chaussée de son immeuble pour qu'ils sortent par la fenêtre pour essayer de réparer l'école d'Aqua, je pense que peut-être ça marche comme ça pour certains, mais chez moi ça marche pas comme ça. Chez moi je vais, je vois les gens, je leur dis ce que je pense et puis on avance. Maintenant, donc tout ça c'est dans le cadre du travail d'une certaine manière. Même si, quelque part, il y a de l'amitié, et ça, vous l'avez dit, tout le monde est libre d'avoir les amis qu'il veut. Mais bien sûr, mais vous savez, au bout de compte, vous trouvez l'homme et pas la fonction. Donc, vous pouvez être en désaccord constant avec quelqu'un, mais dans ma classe, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou plus loin, j'ai toujours eu des gens que je me suis dit, mais comment ils peuvent penser comme ça? Mais ça n'enlevait rien au fait qu'on jouait au foot ensemble. Donc voilà, donc le fait de pouvoir partager un moment de détente avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce que la personne fait. Tout à fait. Ou tout ce que la personne fait. Et
des fois, d'ailleurs, à travers ce moment de détente, vous arrivez à faire changer d'avis à ces personnes-là pour avancer. Donc, je n'ai absolument aucun problème avec cela. Et voilà, si je rencontre un ministre dans ma circonscription, ma foi, c'est un ministre du RDPC, la SDF n'est pas encore au pouvoir, je ne vais pas lui demander qui lui a donné le visa d'entrer dans ma circonscription. Tout à fait. Je vais l'accueillir comme un ministre, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord avec ça, et j'aimerais qu'il me fasse ça pour ma circonscription, parce que voilà la configuration gouvernementale aujourd'hui. Et voilà, s'il y a une réception, je ne veux pas rester hors de la salle parce que le ministre est du RDPC, moi je suis du SDF. Oui. Et ma foi, on finira sur la même table pour des raisons protocolaires. Et puis, je ne veux pas manger en couvrant mon assiette parce que j'ai peur qu'on va mettre du harat adai dedans. Mm-hmm. D'accord. La question quand même, c'est cette amitié que vous avez le droit d'avoir, ces amitiés que vous avez le droit d'avoir, jusqu'où vont-elles? J'appelle pas ça de l'amitié. Hein. L'amitié... Vous n'avez aucun ami dans le gouvernement? Il faut qu'on définisse l'amitié. D'accord. Si le fait de respecter les gens d'avoir une relation, je dirais, décontractée avec ces personnes-là, vous appelez ça de l'amitié, je suis d'accord, mais j'appelle ça des acquaintances. L'amitié, c'est la personne avec qui vous partagez vos mauvais moments, vos bons moments, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je ne connais personne, je dirais même au sein du SDF, au niveau institutionnel, je ne me connais pas d'amitié vraiment, c'est-à-dire des gens avec lesquels je partage tout, mais au niveau du SDF, j'ai ça va un peu plus loin, il y a la fratrie, on sait où les gens habitent, beaucoup on va chez eux, beaucoup plus de choses en commun, mais maintenant, si je dois aller voir s'il y a un problème, je sais pas, dans ma circonscription, parce que X, Y, Z n'a pas été admis alors qu'il aurait dû être admis, et j'arrive samedi à Yaoundé, je vais pas me refuser d'aller à domicile pour demander que justice soit faite, tout simplement parce que c'est le domicile de quelqu'un du RDPC. D'accord, je comprends. Voilà. Parce qu'il y en a, je vais le dire quand même en passant, qui sont allés jusqu'à dire que vous êtes le parrain de certains enfants du couple présidentiel. C'est faux. Ils sont allés jusque-là. C'est faux. C'est faux. Bon, d'accord. C'est faux. Et puis, je pense que c'est typique du Cameroun. Les gens font des constructions sur des choses qu'ils imaginent et autres. Et puis, j'aimerais juste dire que quand on est le parrain de quelqu'un, on n'est pas son ami. C'est un peu différent aussi. D'accord, merci. Alors très rapidement, on va sortir de ce petit stop sur l'aviation en parlant de votre parcours. Ça également, ça intéresse. Les gens se disent, d'accord. Il maîtrise tellement les questions sur l'aviation à une certaine époque qu'il a même pensé devenir pilote. Ça, je l'ai lu sur votre blog d'ailleurs. Et comment ça s'est passé, votre entrée dans ce secteur-là, vos études, où est-ce que vous les avez faites exactement? Ah ben, je vais prendre des raccourcis parce que j'ai eu un parcours chaotique et en zigzag. Mmh. J'ai l'école primaire, alors il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai fait. J'ai fait dans le sud-ouest, j'ai fait quelques années à Strasbourg en France, à Yaoundé, à l'école bilingue près du lac. Et puis, le collège, c'était dans un internat à côté de Bamenda qui s'appelle Sipisi Bali. Oui. J'ai fait une année au collège bilingue à Yaoundé et puis je suis reparti à Bali. Et ensuite, j'ai continué mes études hors du Cameroun. J'ai eu une chance inouïe d'être recruté dès le départ par une compagnie aérienne, une des plus grosses au monde, qui fréquentait le Cameroun à l'époque.
Et donc, j'ai été recruté, j'ai eu la chance d'être formé par cette compagnie-là, ce qui m'a véritablement lancé dans l'aviation. Malheureusement, cette compagnie a fermé au Cameroun. Je dis même c'était la plus grosse chance de ma vie parce que ça m'a propulsé vers d'autres cieux et j'ai pu me parfaire. Et j'ai très vite eu des postes de responsabilité. De grandes responsabilités même. Et je suis arrivé plus ou moins au plafond d'où je pouvais arriver hors influence politique dans une grande compagnie européenne. Et donc, mes parents ayant pris la retraite, j'avais décidé de revenir au Cameroun. Il faut dire que quand je suis revenu, j'étais au Cameroun 3-4 fois par an déjà. C'est un peu plus facile quand vous travaillez dans l'aérien pour voyager parce que les billets ne coûtent pas si cher que ça. Et donc, je suis revenu. Au départ, je revenais pour cette compagnie-là. Ensuite, je me suis mis à mon compte. J'ai eu la chance que le domaine dans lequel j'exerçais n'avait pas beaucoup de cadres disponibles parce que c'était neuf et c'était très pointu. Et donc, j'ai pu continuer à travailler en tant que consultant au Cameroun pour cette compagnie et d'ailleurs pour d'autres. Et donc, j'ai gardé mon portefeuille et puis j'ai monté une compagnie aérienne localement ici avec des Dash 8. J'ai aussi commencé, c'était aussi un concours, en fait c'était un hasard ou un concours de circonstances, une compagnie de service en aviation et aussi une compagnie dans le tourisme. Donc, je me suis en même temps remis dans ma passion d'antan, c'est-à-dire la politique, la social-démocratie et le Social Democratic Front. Donc, je me suis remis dans le bain tout de suite, tout en gardant le métier que j'aime, donc l'aviation. Et ça n'a pas été très facile. C'était une décision difficile à prendre à l'époque. Il y a eu beaucoup de risques, il y a eu beaucoup de difficultés entre-temps. Mais je ne le regrette pas parce que malgré le fait que je gagne 10 fois moins bien ma vie aujourd'hui qu'avant de partir, je sais que ce que je fais va dans le bon sens. J'arrive à trouver du travail pour les Camerounaises et Camerounais. J'arrive à rendre des clients satisfaits et c'est la satisfaction suprême. D'accord. Alors, on parle justement du SDF, qui est, enfin, la politique est l'autre passion chez vous. Numéro 2 du SDF, vous êtes d'ailleurs présenté par beaucoup, hein, comme le futur président, comme le dit, successeur du chairman. Déjà, est-ce que cette influence-là, que nous percevons de l'extérieur, est-ce qu'elle est perceptible également au sein du SDF? Écoutez, déjà en politique, on n'est pas dans un royaume, donc il n'y a pas de successeur, mais il faut pas être magicien. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes le premier vice-président d'une organisation, on l'a vu avec la FIFA aujourd'hui, la logique voudrait, et si les dispositions constitutionnelles le permettent, la logique voudrait que le prochain palier, c'est la présidence. Donc voilà, maintenant, ça dépend de quand. Vous ne pouvez pas partir de premier vice-président d'un parti politique pour redevenir troisième vice-président. Vous ne pouvez pas partir de premier vice-président d'un parti politique pour devenir trésorier. Donc, soit vous restez sur place, soit vous allez plus loin. Donc, il faut pas faire de la science politique pour pouvoir arriver à cette conclusion-là. D'accord. Et comment, on sait qu'il y a eu une élection en 2012, hein, qui a permis que vous remportiez ce poste Un devant, congrès, oui. oui, lors du congrès, devant vos autres camarades. Mais comment est-ce que vous arrivez au SIF? En quelle année? On veut suivre un peu votre parcours au sein de cette Je prends formation. ma première carte au SDF en mars 91, j'ai failli dire 91,
tellement parlé de l'aviation que... Oui. Donc j'ai pris ma première carte en mars 91, mais je crois que j'ai adhéré aux idéaux et sympathisé avec le parti. D'ailleurs, j'ai participé à beaucoup d'activités du parti dès le lancement. Et je pense que ce qui s'est passé en 90 a libéré beaucoup de personnes, moi le premier. Et je me suis senti tout dès le départ très proche de ces gens si courageux qui ont pu lancer ce parti-là. Et l'idéologie était la mienne, ça a toujours été la mienne. J'ai toujours été un social-démocrate dans le sang. Et donc voilà, donc j'ai commencé là. J'ai milité au départ ici à Douala, mais comme tout jeune et dans tout ce désordre-là. On a fait mille et une choses ensemble, on a vendu des cartons rouges, on a fait plein de trucs. Et puis voilà, donc la structuration même dans le parti, c'est quand je suis revenu au Cameroun en 2000. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à aspirer à avoir des postes et que j'ai eu mon premier poste, ensuite deuxième, troisième et le quatrième que j'ai aujourd'hui. D'accord. On sait que toutes les organisations, partis politiques ou tout autre, au-delà des lois, des règles qui les régissent, fonctionnent également avec des compromis. Le fonctionnement repose sur des compromis. Est-ce qu'il existe au sein du SDF un compromis qui veut que... quand le président est du sud-ouest ou du nord-ouest, que le premier vice-président soit de l'ouest, précisément à Bamileke? Écoutez, les compromis n'existent que pour ceux qui y croient. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc, si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de compromis. Non, pour revenir sur le cas du SDF, le premier vice-président était à deux reprises du Grand Nord, de l'extrême Nord. Ensuite, il y a eu un premier vice-président de l'Ouest. Et puis ensuite, il y a un premier vice-président originaire du sud-ouest et maintenant un premier vice-président du littoral. Donc vous voyez que pratiquement toutes les régions ont eu droit à ce poste-là jusqu'à présent. Donc il n'existe pas ce compromis. Écoutez, je vous donne les faits. Donc s'il y avait un compromis, il n'y aurait pas ces faits-là. Vous n'allez quand même pas me dire qu'on a un compromis qu'on ne respecte pas. Ça peut arriver voilà. Certaines fois. Le seul compromis que nous avons aujourd'hui, qui est d'ailleurs logique, c'est que nous demandons à l'équilibre régional d'être respecté. C'est-à-dire que le Congrès ne comprendrait pas que, par exemple, la région du Nord-Ouest présente un candidat à la présidence du parti et en même temps un candidat à la première vice-présidence. Et comme on utilise le bulletin unique, la sanction serait immédiate. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des problèmes de tribalisme au sein du SDF, qui a été pendant longtemps le parti rassembleur? Vous savez, je ne crois pas au tribalisme. Le tribalisme n'est qu'un jeu d'intérêt. Et les gens utilisent la tribu quand ils trouvent leur compte. Et les jeux d'intérêt, il y en a partout. Et c'est clair que si vous pensez pouvoir passer à travers votre tribu, vous allez le faire. Mais le tribalisme n'est qu'un jeu d'intérêt. Vous savez, il n'y a personne qui vote pour sa tribu s'il trouve son compte ailleurs. Les gens se plaignent que telle tribu est raciste, est tribaliste. Et, non, ce n'est pas ça. Mais vous avez assisté à la querelle quand même ici à Douala, lorsqu'il a fallu remplacer Mme Fonning entre d'un côté Limido Bey et puis de l'autre l'honorable Ninchu et même Jean-Robert Wafo. C'était quelle querelle? Alors, il y avait cette querelle Limido Bey qui lui soutenait qu'il fallait que le premier adjoint à Mme Fonning, qui est M. Gustave Ebanda, puisse être maintenu, ou s'il n'est pas maintenu, qu'on organise normalement les élections et qu'il n'y ait pas tous les tripatouillages qu'on voyait là-bas. Et donc là, il y a l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui a pensé que Elimilo Bey soutenait M. Ebanda parce que ce sont des Sawa, et donc il avait d'ailleurs porté lui-même quelques propos qui ont été taxés de tribalistes par son camarade. Non, j'ai dit le tribalisme, ou ce qu'on appelle le tribalisme, ce n'est qu'un jeu d'intérêt. Si les uns et les autres étaient pour un candidat ou pour un autre, c'était que par intérêt. Ouais.
et malheureusement très souvent les intérêts égoïstes. Je crois que le candidat Ebanda, à l'époque où il y avait ce débat, il n'y avait pas de candidat. Et le candidat Ebanda a eu 100% des voix. Donc tous les conseillers municipaux présents lors de ce conseil municipal à Douala 5e ont voté pour le premier adjoint pour qu'il passe maire. Le débat qui avait été tout autre, le débat c'était celui de savoir si le sixième adjoint, qui était un poste qui revenait au SDF, pouvait, un, revenir au SDF, est-ce qu'on avait la capacité de faire respecter l'ordre constitutionnel pour que ce poste nous revienne, parce que ce poste avait été volé. Deuxièmement, qui est le candidat que le parti présentera à ce poste-là? Et je crois que nous avons utilisé les dispositions constitutionnelles, statutaires et la loi pour obtenir le poste et pour obtenir le bon candidat à ce poste-là. Donc nous n'avons pas, je le pense, ce genre de débat. Maintenant, sur la position de l'honorable Nietzsche par rapport aux sorties que mon camarade Limbilobé avait pour Ebanda, je pense que je ne les ai pas suivis, mais je sais qu'à un certain moment, le débat était sur le fait qu'un conseil municipal du SDF ne devrait pas s'immiscer dans les décisions du RDPC. Nous sommes en opposition dans ce conseil municipal. Nous ne pouvons pas être ceux qui portons le débat de qui est candidat et qui n'est pas au sein du RDPC. Mais il est conseiller municipal quand même. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il soit du SDF... Il n'est pas conseiller municipal de sa famille, il est conseiller municipal du SDF au sein de ce conseil municipal. Ouais. Donc il n'appartient pas à la famille majoritaire dans ce conseil municipal. C'est pour ça qu'il ne peut pas être le maire de Douala 5e. Nous n'allons tout de même pas venir apporter notre onction lors... Vous savez, pour un opposant, en toute logique, c'est que le maire ne réussisse pas. Puisque nous voulons proposer mieux que ce maire-là. Donc quand vous venez, vous dites que tel ou tel ou tel, c'est le meilleur des candidats. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce qu'il ne vient pas de chez nous, c'est à un conseiller municipal du RDPC de faire ce débat. Ce n'est pas un conseiller municipal du SDF. C'est complètement déplacé. Vous savez, si moi, la politique est à la limite un peu cynique. Il faut le reconnaître. Si je peux faire en sorte que dans une mairie qui est un maire qui n'arrive même pas à prendre la parole, qui n'arrive ni à lire et à écrire parce qu'il est d'un autre parti politique, sans faire grande chose, je veux qu'on arrive à ce constat-là. Puisque par la suite, on pourra dire que nous, on a un meilleur programme. Il ne faut pas être naïf, c'est ça la politique. Et est-ce que Limbilobé est donc le politicien progressiste? C'est-à-dire que celui qui aujourd'hui veut faire de la politique sans ce cynisme qui est propre? Écoutez, le cynisme, la politique et le cynisme vont de pair, premièrement. Puisque vous n'allez pas venir balayer les rues toute la nuit pour qu'on dise que votre adversaire travaille bien, qu'on soit progressiste ou pas. Maintenant, pour dire qu'il est politicien progressiste, je pense que c'est aller un peu trop loin, parce que le début de tout beau politicien, c'est d'avoir un minimum de discipline. Nous sommes dans un environnement régi par une loi qui nous impose des partis politiques pour notre expression, et dont la moindre des choses, c'est de respecter l'organisation qu'on représente. C'est comme si vous allez jouer au handball alors que vous êtes un joueur de l'équipe nationale de foot. C'est la même chose. Il faut vraiment rester dans son cadre, et quand vous n'avez pas cette discipline, vous êtes un mauvais joueur. Vous pouvez être le meilleur joueur au monde, mais si vous êtes indiscipliné, si pendant la Coupe du Monde, vous êtes dans les bars, au lieu d'être aux entraînements, vous êtes un mauvais joueur. Est-ce que vous avez donc le sentiment, avec tout ce que vous êtes en train d'expliquer, qu'aujourd'hui, dans la démarche qui est la sienne de dénoncer des choses, de s'immiscer, comme vous l'avez dit quelquefois, il trahit un tout petit peu le parti?
Non, il ne trahit pas le parti parce que je pense que le parti ressort grandi parce qu'on a démontré qu'on a de la tolérance, on a démontré qu'on a de la diversité de pensée. Malheureusement, ça a démontré aussi qu'il y a de l'indiscipline, mais je pense qu'il avait un moment d'égarement, qui s'est calmé. D'ailleurs, on ne l'entend plus trop et c'est comme ça la politique, hein. Quand vous n'intéressez plus les médias, ils vous invitent plus. Malheureusement, c'est la dure réalité de la politique. Donc, quand les médias pensait qu'il pouvait faire du mal au SDF, il était invité. Et je pense que là, maintenant, on revient à la case départ et on peut commencer à construire à nouveau. D'accord. La dernière question sur ce sujet, est-ce que vous l'avez rappelé à l'ordre en lui interdisant, par exemple, de parler de Tout ce à fait, sujet? tout à fait, à plusieurs reprises. Oui. Et le pire, c'est qu'il m'a promis qu'il allait le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais bon, encore une fois, c'est le cynisme politique dont on parlait. D'accord. Alors, on va parler d'autre chose. On parle du SDF en lui-même. Oui. Quelle appréciation faites-vous du Social Democratic Front en 2015? Écoutez, il a l'image du contexte politique de ce pays. Nous sommes dans un contexte très particulier où l'alternance est tabou pour la majorité de Camerounais, heureusement pas pour nous. Et donc ça crée une frustration, une crispation et un état de non-droit qui ne se dit pas, qui fait en sorte que le débat politique, surtout autour d'une transition politique à venir, est très difficile à porter. Et malheureusement, dans ce cas, dans cette situation-là, et malheureusement, c'est de bonne guerre. Les forces qui sont en face utilisent tous les moyens possibles pour faire en sorte que les forces qui pourraient émerger ou qui pourraient récupérer ce vide soient plus ou moins étouffées. Et ça se passe de différentes façons. Quand on regarde le gerrymandering, donc le fait que le découpage électoral ne respecte pas le recensement, qui lui-même ne respecte pas la réalité de la population, ça démontre à merveille qu'on est dans une situation très complexe et très compliquée. Donc il faut être, premièrement, il faut faire attention, il faut avancer avec beaucoup de précautions. Parce que ce que nous ne voulons pas au SDF aujourd'hui, c'est que demain, Dadis Camara passe président. Et nous savons aujourd'hui que la transition politique et l'alternance au sommet est devant nous. Et ça aiguise aussi les appétits des uns et des autres, donc ça rend tout cela un peu plus complexe. Mais nous devons ménager aucun effort pour délivrer ce pays. Nous savons que nous avons cette responsabilité. Quand nous voyons les Camerounais en face de nous, nous savons la responsabilité que nous portons et qu'elle n'est pas simple. Mais il faut que les gens le sachent. On le fait dans un environnement très complexe et très difficile. Vous parliez justement de toutes les manœuvres que peuvent utiliser un pouvoir en place pour déstabiliser ou même fragiliser un adversaire qui pour eux devient gênant. Est-ce que dans cette déstabilisation-là, le RDPC a réussi vis-à-vis du SDF? S'ils avaient réussi, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le parti existe toujours. Si mon parti s'appelait, je ne veux pas parler des autres partis politiques, mais vous savez très bien que on peut dire ce qu'on veut du SDF, mais nous sommes constants dans notre position et nous avançons. À chaque élection, nous avons plus de voix. Des fois, les gens me disent oui, mais vous avez moins de députés. Je dis oui, ça dépend du découpage. Mais nous avons plus de voix. Nous avons Comment on peut plus de avoir plus de Camerounais. voix et moins de députés? Mais ça fait partie de la fraude préélectorale. Vous savez, aujourd'hui, si on regarde le découpage électoral du Cameroun aujourd'hui, il représente rien du tout. La loi dit que le président a l'obligation de prendre un décret pour faire le découpage électoral après un recensement. Nous avons eu un recensement en 2005. Nous avons eu des élections en 2007. On a prétendu que on n'allait pas faire le découpage parce que le résultat n'était pas officiellement publié. Nous avons attendu l'élection de 2013 avec la publication du recensement en 2010. Cette publication-là, si on reste sur une assemblée nationale de 180 députés, normalement la ville de Douala, donc le département de Voiry, devrait avoir
au bas mot 19 députés. C'est-à-dire que tout le littoral devrait avoir, je crois, 26 députés. On est loin du compte. On est très loin du compte. Rien que Douala 5e, tout seul, devrait avoir 5 à 6 députés. Douala 3e, 5 à 6 députés. Mais voyez-vous, aujourd'hui, et pourquoi ce n'était pas fait avant? Parce qu'on n'avait pas le Sénat, ce n'était pas un Parlement bicaméral. Maintenant qu'on a le Sénat, on a l'équilibre régional, donc on n'a plus besoin de tout cela. Mais vous allez voir que là où le SDF peut gagner, il y a très peu de députés, et là où il n'y a pas de population, et là où c'est très difficile, on augmente le nombre de députés du RDPC automatiquement. D'accord. Et comment expliquer donc Sherman est perdu la dernière fois lors des sénatoriales, qu'il est perdu dans son département d'origine? Non, vous êtes mal renseigné. Les sénatoriales, ce n'est pas par département, c'est par région. Et je l'ai dit, dans sa région d'origine. Parce que mathématiquement, c'était pas possible qu'il gagne parce qu'on n'avait pas la majorité des conseillers municipaux. Une élection, encore une fois, ça fait partie de la fraude préélectorale parce que la même loi impose au président de la République de donner le nombre de conseillers municipaux par commune. Donc vous avez des communes qui devraient avoir 25 conseillers municipaux qui en ont 41, c'était en prévision des élections sénatoriales pour avoir une majorité confortable du RDPC. Donc le nombre de conseillers municipaux dans le nord-ouest du RDPC était au-dessus du nombre de conseillers municipaux du SDF. Et pour ne pas arranger les choses, certains conseillers du SDF étaient décédés entre-temps, entre l'élection municipale et l'élection sénatoriale. Et donc ça a empiré encore la situation. Donc ce que la liste du chairman devait faire, c'est d'essayer de convaincre un certain nombre de conseillers municipaux du RDPC de voter pour le SDF, ce qu'ils avaient réussi à faire. Mais seulement, entre-temps, il y a eu des menaces, on a enfermé tous les conseillers municipaux dans un hôtel à Bamenda, etc., etc. Et certaines de ces menaces sont passées à exécution. On a des vidéos où les conseillers se sont fait tabasser, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais malheureusement, c'était tout sauf une élection comme elle devrait être parce que les gens voulaient absolument qu'il perde. Mais je pense qu'il a eu le courage de se présenter à une élection sénatoriale où, d'entrée de jeu, c'était perdu d'avance. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres camarades partout sur toute l'étendue du territoire. Et pour démontrer à merveille ce que je suis en train de dire, vous avez quand même si vous n'avez jamais été à Bamenda, vous êtes quand même consciente que la ville de Bamenda, c'est au moins 300 à 400 000 habitants. C'est une grande ville, c'est pas une petite ville de province. Mais le président Biya a décidé qu'il n'y avait pas assez de population à Bamenda et il fallait jumeler Bamenda avec la troisième ville du nord-ouest, Bali, pour en donner un seul député. Un seul député. Alors que Bamenda et Bali ensemble, c'est la population de toute la région du Sud qui a 11 députés. Oui. Vous voyez, donc vous ne pourrez jamais, avec ce genre de fraude préélectorale, avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce qui compte pour nous, c'est le nombre d'électeurs qu'on a eu pendant les élections. Et on n'a jamais eu autant d'électeurs comme lors de l'élection 2011 présidentielle et lors de l'élection de 2013. D'accord. La dernière question maintenant sur la politique, c'est... Est-ce que, vous parlez de l'alternance tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le président de la République aujourd'hui peut encore apporter le changement au Cameroun en restant à sa place? Impossible. Si vous n'avez pas pu faire quelque chose en 34 ans, c'est en 33 ans ou 34, je ne sais même plus quand. Si on prend tout son parcours depuis qu'il est au pouvoir, c'est en 60 ans. Ce n'est pas les trois dernières années qui vous restent, pendant lesquelles vous allez pouvoir faire quelque chose. C'est impossible. Est-ce qu'il peut porter quelque chose au RDPC? Tous ceux qui ont été présidents, pour l'instant, c'est le plus grand désastre du RDPC. Parce que en se cramponnant au pouvoir, il tue sa famille politique et je pense qu'il le sait. D'accord. Et est-ce que le SDF peut aujourd'hui faire peau neuve et passer à une autre vitesse avec John Frundier à sa tête? Mais écoutez, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Puisque le président du RDPC l'est depuis un moment, tout comme John Fodi est depuis un très long moment également. Vous n'avez pas comparé un président de la République qui gère 22 millions de personnes et le budget d'un État et les institutions. C'est pour ça que j'ai posé la question sur le RDPC aussi. Non, mais je dis, pour l'instant, le problème, c'est deux problèmes différents. Vous n'allez pas comparer le président d'une association, qui est le SDF, au président de la République. Même par respect pour les fonctions. C'est deux choses complètement différentes. Non, sauf que là, je parle de président de deux formations politiques. J'y arrive. C'est pour ça que j'ai ramené au RDPC. Ayez la patience que j'arrive à ce point-là. D'accord, allez-y. J'étais en train de dire, au niveau du RDPC, vous savez, quand vous êtes dans une situation où la personne qui incarne votre organisation est la personne qui vous amène droit vers le mur, et que vous n'avez pas la possibilité de partir de là, tout simplement parce que vous êtes redevable à cette organisation-là, vous avez un gros problème. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, hier, Monsieur Biya, en s'accrochant au pouvoir, était la solution pour tous ceux qui étaient au RDPC. D'ailleurs, la première raison pour laquelle les gens adhèrent au RDPC, c'est pour avoir les prébendes, pour avoir les bénéfices du fait d'être au pouvoir. Et c'est de bonne guerre. Mais maintenant, quand on voit qu'il n'arrive presque plus, quand on voit qu'on est en fin de règne, vous commencez à devenir un problème. Et c'est parce que le RDPC est au pouvoir qu'on ne peut pas le comparer au SDF qui n'est pas au pouvoir. C'est aussi simple que cela. Qui reste un parti politique quand même, où il faut de l'alternance. À moins que vous le disiez qu'il faut de l'alternance au pouvoir et pas au sein des partis politiques. Écoutez, déjà l'alternance au sein du SDF, comment dirais-je, ne commande pas. Nous n'avons pas les mêmes statuts que le RDPC. Le RDPC a des statuts monarchiques qui font en sorte que le président de ce parti est le candidat automatique au présidentiel. Dans le SDF, nous passons par un congrès extraordinaire pour élire et des primaires pour élire nos candidats et même notre candidat pour l'élection présidentielle. Donc même si vous êtes le président du SDF, ça ne vous garantit pas une place pour être candidat de ce parti-là. Il faut encore affronter les autres candidats. Donc c'est pour cela que pour nous, dans notre fonctionnement même, ce n'est pas, comment dirais-je, le poste le plus stratégique. Ce n'est pas le poste le plus stratégique dans le parti, c'est la personne qui incarne le SDF. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes président du SDF, vous serez automatiquement le candidat du SDF lors des élections législatives dans la Mentum ou dans la Mesam ou ailleurs. Ou même à la présidentielle. Ou même à la présidentielle. Vous devez vous soumettre aux primaires comme tous les autres candidats. Et non, c'est pour ça que ce débat est sans objet. D'accord. Mais jusqu'à présent, ça a quand même été toujours le président du parti qui a été le président, enfin le candidat à la présidentielle. Malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas entendre cela, malheureusement pour vous, il est arrivé à ce point à travers un congrès extraordinaire qui n'a jamais été contesté, dont les élections sont disponibles, les résultats de ces élections pour tous ceux qui voient ont été consignés par notaire, et donc voilà, donc il a toujours eu des candidats en face de lui, ces candidats ont toujours perdu, ils ont le droit d'aller tribunal de première instance du lieu où le congrès a eu lieu pour se plaindre du fait que le congrès n'était pas régulier. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était régulier. Malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas que ce soit comme ça, la majorité des délégués du parti ont un droit souverain. La majorité des délégués du parti ont décidé que Joshua aussi sera le premier vice-président, et c'est pour ça que je suis en face de vous à ce titre. Oui. Ils ont décidé que Nijon Fondi sera le président du parti, et s'il faut changer cela, il faut influencer le collège électoral, c'est-à-dire il faut prendre une carte du parti, il faut avoir la durée de militantisme, il faut passer au vote auprès de sa cellule, ensuite auprès de sa circonscription électorale pour devenir un délégué, parce qu'il faut gagner pour devenir un délégué, et ensuite aller au congrès extraordinaire et choisir votre candidat. Vous ne pouvez pas rester devant votre télévision et dans votre sofa et décider de ce qui se passe là-bas. C'est exactement la même chose, je dis, pour qui veut être pape. Si vous voulez influencer, si vous voulez avoir un pape
noirs. Il faut avoir autant de cardinaux noirs qui vont dans le collège, qui vont à Rome et qui décideront du prochain pape. Et peut-être vous aurez ce pape noir à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas rester devant votre fauteuil. Vous n'allez même pas à l'église les dimanches et vous pensez que vous pouvez influencer sur qui sera le prochain pape. D'accord. C'est la même chose. Ça veut dire que maintenant, s'il y a une élection au sein du SDF, par exemple, et que vous êtes face à votre président, quand vous me parlez du nombre de personnes, de camarades qui lui donnent toujours leur voix, ça veut dire que même pour vous, si, pour que vous accédiez par exemple au poste de président du parti, il faudrait absolument que John Frundi ne soit plus là. Écoutez, si je veux devenir président national du SDF, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais si je veux le devenir, je dois me présenter à cette élection-là. Je dois me présenter à la base. Non, je dois déjà gagner dans ma cellule. Ensuite, je dois gagner s'il y a un autre candidat qui veut aussi être président national. Et auriez-vous des chances devant lui, devant votre président? Écoutez, c'est pas à moi de décider, c'est aux militants de décider. Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Donc, je n'entre même pas dans cette réflexion-là. D'accord. Vous savez... Je veux vous dire franchement, pour être candidat, pour être président d'un parti comme le SDF, c'est prenant. C'est-à-dire, c'est un travail à plein temps, c'est 20 heures de travail par jour. C'est pas de tout repos. Si vous allez chez le chairman, vous allez voir qu'à tout moment de la journée et tous les jours, tous ceux qui ont été vont vous le dire, il y a un minimum de 20 visiteurs. Il reçoit, je pense, plus de monde que toutes les institutions présentes à Bamenda, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, les mairies et tout ça. Et il n'y a pas un visiteur de marque qui vient à Bamenda sans lui rendre visite. En plus de tout cela, il faut gérer le quotidien de 360 circonscription électorale sur toute l'étendue du territoire, sans compter toutes les cellules, etc., etc. Il faut gérer les relations entre le parti et les autres partis politiques et l'étranger. Et donc, ce n'est pas une petite balade du dimanche. Il faut avoir le temps, il faut être disponible, il faut avoir le charisme nécessaire, etc., etc. Je pense que, au vu de tout cela, et au vu des critères nécessaires, statutaires pour être candidat, c'est-à-dire la durée de militantisme, etc. Il n'y a pas beaucoup de personnes, malheureusement aujourd'hui, pour ceux qui veulent qu'il y ait un changement, qui remplissent ce rôle-là et qui veulent jouer ce rôle-là. Et qui veulent jouer ce rôle-là, parce que c'est très important. D'accord. Et quelles sont vos relations avec les autres partis ? D'opposition, surtout. Il y a très peu de partis d'opposition au Cameroun, donc pour le pour les quelques partis qui sont de l'opposition, j'ai des bonnes relations. Des fois, on se taquine un peu, mais voilà, c'est sans... Des fois, on est même adversaire sur certains sujets, mais ça reste de la franche camaraderie. Lesquels, par exemple, les partis d'opposition qui sont réellement de l'opposition au Cameroun? Écoutez, ceux qui sont réellement de l'opposition sont ceux qui s'alignent sans réfléchir derrière le leader de l'opposition. Parce que si vous êtes en face du leader de l'opposition, vous êtes du côté du pouvoir. Donc voilà, donc il y a beaucoup de partis politiques qui une fois sont devant nous, une fois derrière nous. Donc ceux-là, si on élimine ceux-là, il resterait 2-3, mais bon, je ne veux pas faire de jaloux, donc je ne vais pas citer des noms. D'accord. Alors on va finir en parlant du remaniement ministériel. C'est vrai que vous êtes déjà exprimé sur le sujet, pas dans cette émission, mais sur nos antennes. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est souffler un tout petit peu en prenant ce commentaire qui a été signé par Carole Guissot, journaliste à STV. Donc on prend son commentaire sur le remaniement et ensuite vous venez une fois de plus nous confier votre ressenti par rapport à ce réaménagement. J'étais pas au courant qu'il y avait un remaniement, mais bon. Bon, on en parlera. D'abord le reportage. Paul Biya a donc procédé ce 1er octobre 2015 à un réaménagement de son gouvernement. La société civile, hommes politiques, bas peuple, toute la nation était tenue en haleine depuis le dernier Conseil des ministres il y a 3 ans. Après 2 semaines de signature de décrets plus ou moins importants et attendus, le chef de l'État, de retour d'un court séjour privé en Europe, a donc sifflé la fin de la récréation. En tout, 10 entrées et autant de départs, mais la question que l'on
transposerait, et cela va de soi, c'est que le président de la République, qui a gardé un silence dérangeant depuis lors, a-t-il frappé là où ça faisait mal? Voyons ceci de près. Si les départs d'Adunga Roy des sports, de Katerim Bakambok des affaires sociales, d'Amatou Toumouna des arts et de la culture, de Biyiti Biesam des PTT, de Louis Bapès Bapès des enseignements secondaires, d'Edgar Alain Mebengor de la défense, d'Henri Eyebea ici du contrôle supérieur de l'État et bien d'autres, peuvent être perçus comme des sanctions négatives quant à la gestion de leur ministère et peuvent se comprendre, le maintien de certains ministres à leur poste soulève cependant des inquiétudes et des interrogations. Sur le plan économique, par exemple, dans le secteur énergétique, les Camerounais, depuis longtemps, font face à d'interminables coupures d'électricité intempestives et se posent encore des questions sur la situation du repreneur des parts d'action d'AES Cameroun. La distribution de l'eau est devenue un serpent de mer et d'autres projets de grande réalisation dont il avait la charge traînent le pas. Lui, le ministre de l'eau et de l'énergie, sort blanchi de ce réaménagement. Celui de la communication également, lui qui n'a pas convaincu l'opinion publique par ses explications face au problème du photomontage sur le site de la présidence, fait qui avait défrayé la chronique et mis à mal le sérieux et la crédibilité des gestionnaires des sites web de l'État, Issa Tchiro Mabakari s'en sort élargi. Sur le plan de l'éducation de base, la gratuité non effective de l'enseignement maternel primaire dans les écoles, les cas avérés et non avérés de détournement des paquets minima et des frais d'APE et les erreurs dans les livres scolaires décriés dans la presse locale cette année encore n'ont pas inquiété le ministre de l'Éducation de base. Si l'on peut également comprendre l'enlèvement de Louis Pomotazé du secrétariat général du service du premier ministère à cause de l'atmosphère de désobéissance notoire et de désamour qui prévalait entre lui et Philemon Yang, l'on ne saurait comprendre que certains ministres interdits de sortie du territoire sans autorisation et dont les passeports auraient été retirés soit encore au gouvernement, à l'instar de Louis Bapès Bapès de l'enseignement secondaire, de Jacqueline Kounabi Seke du cadastre, d'Amadou Ali de la justice, et j'en passe. L'exploitation minière reste à ce jour le par. Merci à Carole Guissot pour ce commentaire. Alors, très rapidement, compte tenu du temps qu'il nous reste, ce remaniement, déjà, vous dites, vous ne saviez pas qu'il y avait un remaniement. On m'a dit que c'était un réaménagement, donc ce n'est pas la même chose. Mmh. Et vous, quelle lecture faites-vous? Est-ce que c'est finalement un remaniement ou un réaménagement? Non, je pense que c'est un jeu de chaises musicales. Et puis, pour moi, ce qui importe, c'est ce que c'est le quotidien des Camerounais. Et je pense qu'on déplace le débat sur les individus au lieu de rester sur la responsabilité collective. Un gouvernement, c'est une équipe. Et le chef de cette équipe, c'est le président Paul Biya. C'est lui qui porte la responsabilité de tout ce qui va mal. C'est lui qui les nomme, c'est lui qui les fait, c'est lui qui les défait. Et donc, on ne devrait pas se réjouir quand quelqu'un a été nommé ou se réjouir parce qu'il a été défait, mais plutôt se réjouir que finalement on a peut-être un gouvernement qui travaille pour nous. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui les Camerounais souffrent beaucoup plus que c'était le cas quand il a été élu. Je pense que les promesses qu'il nous a données ne tiennent pas la route. Et donc soit il essaye d'écourter son mandat pour revenir vers les Camerounais pour prendre un nouveau mandat, parce que je pense pas qu'il va prendre sa retraite, ou alors qu'il attend son fin de mandat tranquillement et que les Camerounais, lors de cette prochaine élection, puissent d'une façon juste et équitable décider de qui est-ce qui mettra le prochain gouvernement en place. Voilà, donc c'est un faux débat. Je pense que ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça, où il y a une euphorie autour des gens qui sont nommés, tel village a été honoré, tel pas, des motions de soutien de toute une région parce qu'on n'a pas enlevé tel fils, etc. Mais c'est n'importe quoi. Il faudrait qu'on revienne à l'essentiel. Il faudrait que les Camerounais commencent à comprendre leur constitution. C'est une équipe qui est censée travailler.
Et votre coup de cœur, parmi les gens qui ont été nommés, la personne, femme comme homme, que vous regardez en vous disant, celle-là, elle peut faire quelque chose. Vous ne pouvez rien faire quand l'équipe ne fait rien. Vous savez, vous pouvez prendre une équipe de 3e division, vous l'amenez à la Coupe du Monde, vous mettez Léo Messi dedans, vous n'allez pas gagner cette Coupe du Monde. Donc ça ne sert à rien, c'est une équipe qui gagne. Le président de la République est en charge de cette équipe et le président de la République est un absentéiste. Le président de la République nous a démontré à merveille, je ne veux pas citer les exemples ici, qui n'est premièrement pas très au courant des souffrances des Camerounais, et deuxièmement, qui ne s'en préoccupe pas nécessairement, sauf quand, quand la rue grogne, c'est à ce moment-là qu'on bouge les lignes. Et donc, si c'est de cette façon qu'on gère un pays, on ne peut pas avancer. Vous pouvez mettre la plus grande star du management dans un gouvernement, cette personne ne va rien apporter si le reste de l'équipe ne fonctionne pas. D'accord. Quand vous dites quand la rue grogne, c'est là qu'on ajuste les choses. Est-ce que, parce qu'il y a eu ce débat sur pourquoi pas un remaniement, pourquoi, qu'est-ce qu'on attend, vous pensez que quelque part, la rue, les médias ont influencé la décision du président de la République de réaménager un tout petit peu. J'espère pas, ça serait triste. Ça serait triste pour nous qu'on a un président absentéiste et en plus il se laisse influencer par ce que la rue pense. Mais je pense que nous avons été habitués ces 33 dernières années des réactions du président à chaque fois qu'il y a une grogne dans la rue. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, encore une fois, j'insiste là-dessus, si à la tête de l'exécutif, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous, ça ne va pas fonctionner. S'il faut toujours prendre 9 mois, 2-3 années pour chaque petit projet que d'autres pays arrivent à réaliser en 3-4 semaines, 3-4 mois, s'il y en a incapable, je vous prends un exemple très simple. On est incapable de consommer le budget d'investissement à plus de 50%. Pour être très gentil, je dis 50%, mais c'est autour de 42% officiellement. Et vous-même, vous savez que si Yaoundé nous dit 42%, on doit être autour de 20%. Incapable. Voilà une administration incapable. Ce n'est pas un ministre qui est incapable. Ce n'est pas 2-3, c'est toute une administration qui est incapable de consommer un budget qu'ils se sont eux-mêmes donné. Ce n'est pas le SDF qui leur impose ce budget-là. Ils ont la majorité à l'Assemblée quand ils votent ce budget. Mais incapable de consommer, c'est quand même triste. Mais vous savez ce que le président fait ? Non. Dans un pays qui se respecte, si je vous donne un budget de 100 000 francs et vous n'arrivez qu'à consommer 40 000, pour la prochaine semaine ou la prochaine année, je vous donne un budget de combien ? De 40 000. Parce que c'est ce que vous arrivez à consommer. Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun ? Qu'est-ce que le président de la République fait ? Alors, on a une administration qui n'arrive pas à consommer un budget d'investissement public à hauteur de 50%. On ajoute un plan d'urgence du Minepat, on ajoute un plan d'urgence national, on ajoute un plan d'urgence pour l'aménagement du Grand Nord et on ajoute un plan de la CAN. C'est quand même extraordinaire. Et donc, vous allez maintenant accuser ces ministres qui n'arrivent pas à travailler quand ils avaient un seul budget. Leur administration n'arrivait pas à consommer ce budget-là et maintenant ils auront 5 fois ce budget et vous attendez d'eux qu'ils arrivent à consommer ça? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a également incompétence chez ceux qui n'arrivent pas à réaliser au-delà du fait que le président puisse être quelquefois absentiste comme vous le disiez? Je vous laisse faire ce constat, mais moi je fais un seul constat, c'est que le chef de l'exécutif qui a la responsabilité de cette tâche-là, c'est le président de la République. Et c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas le maire de Douala ni l'Assemblée nationale qui nomme les ministres, mais lui. Ce n'est pas pour rien que c'est lui et son gouvernement qui choisit qui fait quoi, comment, où. Et que vous dites-vous du Premier ministre? Parce que très souvent, quand on parle des responsabilités, on parle du chef de l'État, mais il y a un chef de gouvernement également. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est nommé par le président de la République. Oui. Et donc, il porte l'entière responsabilité. Vous savez, je ne peux pas venir me plaindre chez vous que ma bonne ne sait pas cuisiner ou mon cuisinier ne sait pas cuisiner. Si c'est moi qui l'ai embauché, c'est ma responsabilité. Et je dois m'assurer que cette personne puisse cuisiner. Si elle ne sait pas cuisiner, je l'envoie à l'école de cuisine parce que c'est ce que je veux. C'est pour cela que je la paye.
OK, donc vous ne pouvez pas venir me dire que ce n'est pas de votre faute, mais c'est de la faute du ministre. C'est vous le président de la République, c'est vous qui l'avez choisi, donc c'est de votre faute. D'accord. Merci, honorable Joshua, aussi d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un dernier mot aux téléspectateurs avant qu'on ne mette un terme à cette émission. Écoutez, je pense, ça me prend un peu de cours, un dernier mot, mais bon, je souhaite beaucoup de courage à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais. Je sais que c'est très difficile pour tout le monde. La situation au Cameroun est telle que, surtout pour la jeunesse, c'est presque sans espoir et presque infranchissable d'aller de l'avant. Mais il faut tout de même garder cet espoir-là, même s'il est tout petit, parce que, comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Merci encore d'être venu. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. Passez une excellente nuit. We'll be right back.